Après avoir fraudé son patron de quelques milliers de dollars, Melanie Templeton, 19 ans, de Mascouche au Québec, disparaît dans des circonstances mystérieuses. Qu'est-il arrivé à Mélanie cette nuit du 21 septembre 1988? Aux prises, avec un problème de drogue, Mélanie, se serait-elle suicidée? Aurait-elle été enlevée? Ou pire, l'aurait-on assassinée parce qu'elle en savait trop? Mélanie Templeton de Mascouche menait une vie rangée auprès de sa mère. Malgré les apparences, certains indices laissent croire que Mélanie préparait sa disparition et qu'elle savait ce qui se passerait dans la nuit du 21 décembre 1988. Ce que voit le patron de Mélanie le jour de sa disparition donne des raisons de penser qu'elle planifiait son départ. Mélanie était préposée au compte payable et ne gagnait que 15 000 dollars par année. Pourtant, ce jour-là, elle est surprise avec une somme d'argent impressionnante. Cet argent lui servait-il à partir? As-tu des problèmes, Mélanie? Non. Ça va bien? Oui, ça va, c'est bien. J'ai rentré dans la salle de conférence, puis elle a sa bourse sur la table. Puis j'ai vu à la... pas mal de l'argent dans la bourse. C'est un rouleau d'argent pas mal gros. Mais pour dire combien est dans le rouleau, je ne sais pas. Mais c'est pas normal pour elle d'avoir un montant d'argent comme ça. Le patron n'en fait pas de cas et l'incident tourne à la blague. Mais d'où vient cet argent et à quoi sert-il? Un peu plus tard, Mélanie Templeton appelle son père et insiste pour souper avec lui. Au restaurant, Mélanie semble nerveuse. En revenant de la salle des toilettes, elle panique en croyant avoir égaré son sac. Bien qu'il ne peut dire ce qui se passe, son père sent que Mélanie prépare quelque chose. On dirait qu'elle était bien pressée ce soir-là aussi. Moi, j'étais pressé pour une raison que je savais, mais sa raison, elle, je ne savais pas sa raison de ce soir-là. On dirait qu'il y a une tension, il y avait une tension, qu'il y avait de quoi qui était important pour elle aussi ce soir-là. Un autre signe permet de croire que Mélanie Templeton savait qu'elle voyait son père pour la dernière fois. En le quittant, à la résidence de sa mère à Mascouche, Mélanie embrasse son père et lui dit une phrase qu'il considère aujourd'hui comme les adieux de sa fille. N'oublie jamais que je t'adore. C'est la dernière fois que Fred Templeton vit sa fille Mélanie. Ce soir-là, en débarquant de la voiture, elle me donne un bec, puis elle dit « Oublie jamais que je t'adore. » Ça, c'est ma poignée. Après, quand on a trouvé que Mélanie était disparue, qu'elle savait peut-être que c'est la dernière fois qu'on se voyait, ce soir-là. Habituellement, Mélanie reste sagement chez elle les mercredis soirs. Mais cette fois, elle appelle une amie pour se faire reconduire à Ville-Saint-Laurent. En quittant la maison de sa mère, qui est absente, Mélanie reçoit un appel. Celui qui parle semble exiger qu'elle soit présente à un rendez-vous. Mélanie lui répond hâtivement et lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle y serait. Yeah. Okay. Le téléphone avait sonné, elle avait répondu. Tout ce qu'elle avait dit, c'est « ya, ya, ya ». Elle a descendu, sa face... Quand que j'ai remarqué que c'était un petit peu bizarre, il y avait quelque chose, la personne la poussait dessus, c'est très bizarre, très bizarre. Mélanie dit à José que celui qui l'a appelé, c'est Marc, et qu'elle doit le rencontrer un peu plus tard. En chemin, tout de suite après l'appel, Mélanie demande à José d'arrêter au guichet automatique. Selon les registres du guichet, elle tente désespérément d'y retirer de l'argent. Elle essaie 550 dollars, mais ça ne fonctionne pas. Puis elle essaie 500, 400, 300 et effectue 6 autres tentatives. Elle réussit finalement à retirer 120 dollars seulement. Y a-t-il un lien entre l'argent qu'elle retire, le rouleau d'argent qu'elle a déjà en poche et cette rencontre mystérieuse qu'elle doit faire plus tard? «
Mélanie demande à José de la conduire à Ville-Saint-Laurent chez Diane, une de ses amies. Apparemment, Diane ne se trouve pas chez elle à 21h30. Et Mélanie se rend chez d'autres amis. Puis Diane avait dit que Mélanie n'avait jamais rentré. Maintenant, ça se peut que Diane a été au dépanneur pendant ce temps-là. Que si ça ne répondait pas, moi, je dirais qu'elle a quitté. Elle a pris l'autobus, la 121, sauvée, jusque chez Walter. Chez ce Walter, Mélanie achète 500 $ de cocaïne et convient de ne pas payer le soir même. Cette quantité de cocaïne représente plus que ce que consomme Mélanie au cours d'une soirée. Achète-t-elle cette drogue pour quelqu'un d'autre? OK, parfait. Avant de partir, Mélanie se retire pour appeler sa mère. Elle lui dit qu'elle ne rentre pas couchée et qu'elle se trouve chez Diane. En partant de chez Walter, Mélanie prétend qu'elle va rencontrer Marc. Est-elle allée le retrouver à 23h15 lorsqu'elle s'enregistre seule dans un motel de la rue La Jeunesse? On ne peut le certifier, mais c'est la dernière fois que Mélanie Templeton a été vue. Si certains faits laissent croire que Mélanie préparait sa disparition, certains autres faits nous indiquent qu'elle était traquée et même menacée. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que les problèmes de Mélanie l'ont poussée jusqu'à la fraude. Au mois d'août 1988, quelques semaines avant sa disparition, Mélanie Templeton fait signer 3 chèques en blanc à son patron. Elle lui explique que les fournisseurs doivent passer et qu'elle n'a pas eu le temps de compléter les chèques. Comme Mélanie sait gagner la confiance de son patron, celui-ci signe les chèques en blanc. Il ne se doute pas qu'il a tort de faire confiance à Mélanie. Oui. Je dis, OK, Mélanie, j'ai signé le chèque. Parce que des 3 chèques que j'ai signés, au lieu de faire les chèques payables à nos fournisseurs, elle a fait les chèques payables à Mélanie Templeton. En commettant ces fraudes, Mélanie savait très bien qu'elle se ferait prendre quelques jours plus tard, mais elle a disparu auparavant. Le premier chèque qu'elle touche est daté du 2 août 1988 au montant de 806 $. Le second, du 13 septembre au montant de 534 $, et elle dépose un dernier chèque de 1500 $ le 19 septembre. C'est cette somme qu'elle tente de toucher 2 jours après le soir de sa disparition. Était-ce pour payer ses dettes ou pour acheter de la drogue? C'est probablement du fait qu'elle s'était faite des mauvaises fréquentations dans le monde de la drogue. Elle aurait influencé à en prendre, elle aurait commencé à consommer de la drogue dû justement à ces mauvaises fréquentations-là. Et on présume par la suite que tout simplement, elle est rentrée de plus en plus profondément dans le problème. Les dettes d'argent commençant à s'en suivre. Puis possiblement, les raisons de ses fraudes, c'était pour s'aider à payer ses dettes de drogue. Les fréquentations de Mélanie peuvent-elles expliquer sa mystérieuse disparition? Certaines personnes affirment que 2 jours avant que Mélanie manque à l'appel, une violente dispute a éclaté entre elle et son ami de cœur. Celui-ci a un passé violent et a déjà battu Mélanie. Qu'a-t-il exigé d'elle? La même journée de cette dispute, Mélanie rédige le dernier des 3 faux chèques. Était-elle menacée et la forçait-on à agir ainsi? Bien que son ami de cœur avait un alibi, la nuit de la disparition de Mélanie, est-il un suspect désigné? C'est pourquoi tu y parles. Puis elle m'avait dit qu'elle avait peur que quelque chose c'était pour arriver à moi puis son père. Puis moi, j'ai dit, répondu qu'il n'y a rien qui me fait peur. Il peut brûler notre maison, il peut faire n'importe quoi. La seule chose que ça peut me faire peur, c'est si quelque chose arrive à toi. Qu'est-il arrivé à Mélanie Templeton dans la nuit du 21 septembre 88? Au motel de la rue La Jeunesse à Montréal, où elle est arrivée à 23h15, Mélanie n'était pas avec son ami de cœur puisqu'il se trouvait chez lui. 2 personnes en ont témoigné. Dans ce cas, a-t-elle retrouvé Marc qu'elle disait devoir rencontrer et qu'ont-ils fait? À l'hôtel, avec qui elle était à l'hôtel? Est-ce qu'elle était avec quelqu'un? Un dénommé Marc devait la rencontrer, devait la ramasser ce soir-là. Est-ce qu'il est venu finalement la chercher? Si oui, où il l'a emmenée? Qu'est-ce qu'ils ont fait par la suite? C'est toutes des questions qui nous restent encore sans réponse.
Si Melanie Templeton était avec Mark, un indice laisse croire qu'elle le quitte pour se rendre dans un bar. C'est là qu'en pleine nuit, Melanie appelle John, un ami, pour lui demander de venir la rejoindre. Comme il est déjà au lit, il refuse. C'est le dernier contact connu avec la jeune femme. Fait que l'hypothèse, la première, de la fugue, impossible. Dû à tous ces problèmes-là, la deuxième hypothèse, pour en venir, est-ce qu'elle était tellement déprimée de ces problèmes-là qu'elle a tenté de se suicider? Puis la troisième, à cause encore des problèmes de drogue, est-ce qu'elle s'est fait tuer? Puis j'aimerais bien, si elle voit cette mission-là, qu'elle nous contacte le plus vite possible. J'ai encore les mêmes numéros de téléphone. Il reste à la même maison, puis il manque Melanie ici. Melanie Templeton, si elle vit toujours, a 21 ans. Elle mesure 1,60 m et pèse 60 kilos. Elle a les cheveux bruns et les yeux bleus. Lorsqu'elle est fatiguée, elle louche légèrement. Elle s'exprime aussi bien en français qu'en anglais. Il est possible que Melanie Templeton se soit enfoncée à un tel point dans le monde de la drogue qu'elle soit maintenant manipulée et gardée dépendante de la cocaïne. Soyez vigilants.